How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in. C'est une association que j'ai créée au mois de janvier parce que je faisais une formation en fait sur le management d'entreprises culturelles, le spectacle, tout ça. Et donc j'ai décidé de lancer mon projet personnel et professionnel aussi avec les formes. Du coup, ça doit être une association plutôt portée sur le métal, non? Totalement, même. C'est pas plutôt, c'est vrai, carrément. Même si j'ai d'autres idées dans le futur, mais ouais, c'est, je commence à organiser des concerts de métal, promouvoir des groupes de métal et tous les dérivés, hein, tout ce qui est hardcore, tout ça. Donc je fais de la promotion et j'organise des dates pour la jeune scène française et internationale. J'ai un partenariat récent avec une agence de République tchèque qui veut se développer un peu partout dans le monde et qui m'ont proposé de bosser avec eux pour les tournées françaises des groupes européens, entre autres. Donc ça c'est la dernière nouvelle de l'association. Je les contacte via Facebook en général parce que tout le monde va sur Facebook en fait. Ils mettent tous une adresse mail pour leur booker, tout ça. Sauf que quand j'envoie des mails à ces adresses, ils répondent pas, mais sur Facebook, ils sont toujours au taquet. Donc Facebook est l'outil principal pour approcher les groupes français en tout cas. Après, pour les groupes étrangers, ils ont un peu plus d'organisation autour d'eux. J'ai remarqué ça. Donc là, je discute par mail avec leurs agents. C'est un milieu assez dur de toute façon, ce que tu fais là. Ouais, clairement. Clairement. En fait, ce qui est dur, j'ai remarqué ça aussi pendant ma formation, c'est que c'est pas d'y entrer dans le milieu qui est dur. On peut trouver facilement des bons contacts qui sont de bonne volonté pour nous aider. Le plus dur, c'est ensuite, une fois d'y être, c'est d'y rester. D'accord. Longuement. Donc je me suis fait des contacts assez rapidement grâce à ma formation. Des régisseurs de salles de concert à Paris, comme le Divan du Monde, le Trapendo, donc des salles plutôt sympathiques. Grâce à eux, je me suis fait pas mal de contacts aussi parmi les groupes, tout ça, et les organisateurs. Ouais. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est se battre pour rester parmi ces contacts. Et ça, c'est le plus dur, c'est entretenir son réseau. Le dernier à jouer, c'est Enigma. Bon, c'est Enigma, ouais. Bon, il faut checker du coup, on fait balancer Enigma, nous, et ensuite, Diffy. Diffy, du coup. Si vous voulez nous donner des batteries, tu sais comment ça se passe. En fait, il y aura deux batteries du coup. La vôtre pour vous et Elimor, c'est ça? Non, la celle de Chambas pour Diffus et Ghost of Mayer. D'accord. C'est vous qui avez deux grosses séances. Parce qu'apparemment, ils ont rangé les trucs en 3 minutes, ils montent et ils démontent la batterie. Ok, d'accord. De toute façon, on la montre, on devra la démonter la batterie.
Ouais, alors, en fait, batterie à vous. Ouais. Ok, donc on a 2 kg de batterie. Ok. Il nous reste 5 minutes pour finir les balances, donc on va essayer de s'activer un peu. Vous êtes cool sur scène ou pas là? Partout tout le monde? On va tenter de faire un demi-morceau à la limite. Et puis, normalement on m'a mis en dernier, en dernier. Pater ou paterno, ou Guillaume, ou paterno. Je sais pas, c'est Simon. Et Ouais.